Pour terminer, nous ferons un échange et Eric lira quelques lignes d'un roman que j'ai écrit qui va paraître prochainement. Et moi, je serai à la table du dessin. Voilà, à tout à l'heure. La R12. Plusieurs photos la détaillent, seule ou avec mes parents appuyés contre le capot. La première voiture du couple, bleu métallisé. Il serait facile de sourire, de moquer l'arrivée d'une voiture dans l'album photo de la famille, après l'appartement et avant l'enfant, et pourtant un couple, deux travail, une voiture et le monde leur appartenaient. Les routes infinies, l'essence à flot, un monde d'avant les chocs pétroliers, une carte dépliée et les possibles insouciants à portée de main. Dans l'austère album de famille où reposent de nombreux fantômes, cette voiture sourit et, en la regardant bien, je retrouve jusqu'à son odeur plastique et essence, gauloise sans filtre, royal menthol, déodorant suspendu au rétroviseur qui me portait à l'estomac que je porte maintenant dans mon cœur. Portail et fenêtre, d'après une photographie de Simon Croft. De dos, une jeune femme s'occupe à quelques actes à la fois secrets et banals. Elle est vue depuis la cour, silhouette jaune dans la maison. Peut-être lit-elle. Elle est courbée, concentrée, immobile. Ouvert, le portail sur la rue laisse entrer une femme, jambes nues, sa mère, une voisine. Ses épaules basses voûtées elles aussi, mais par les ans ou une immense fatigue, lassitude. Une fenêtre fermée, un portail ouvert, les perméabilités des bâtiments, toujours je les guette. Non pas par voyeurisme. Ici, le souvenir d'une femme nue à sa fenêtre, sa très belle poitrine entrevue, son visage oublié. Mais simplement pour me convaincre que de l'autre côté des façades, le monde continue à exister. La photo de classe. Cette photo, je l'ai retrouvée chez mes parents. Dans le bas d'un buffet, j'étais en cinquième ou quatrième, je ne sais plus, je revois son visage un peu rond, ses cheveux frisés, son visage fermé. Les souvenirs remontent d'un coup. Je l'appelais mon meilleur ami. Je passais mes mercredis et mes samedis chez lui, il avait un jardin dans le lotissement au pied de mon immeuble. Je me souviens, il voulait fabriquer des explosifs. Je ne sais pas où il avait trouvé une recette à base d'engrais et de savon. Lui et moi, on était frères. On a fait des conneries de môme, on a fumé ensemble, cachés dans le petit bois. Il disait comme ça qu'un jour il ferait sauter sa sœur, celle qui l'étouffait. Chez lui, il n'y en avait que pour elle. Moi, je ne disais rien. Je pensais que dans une famille, si les parents délaissent leur fils pour s'occuper de leur fille, le problème ne vient pas forcément de la fille. Mais je gardais mes pensées pour moi. Sa sœur avait 20 ans. Je crois me rappeler qu'elle était belle et qu'elle m'intimidait. Jamais elle ne m'a adressé la parole, jamais elle n'a répondu à mon bonjour. J'étais l'amie de son frère, un insecte minuscule, un môme. On est resté amis jusqu'à la troisième. Je suis passée au lycée, il a arrêté ses études, il avait l'âge de travailler. Je découvrais de nouvelles personnes, je découvrais les filles. Un jour, j'ai appris qu'il avait réussi. L'explosif avait soufflé la baie vitrée et son genou. Je suis passée le voir, il se déplaçait avec une béquille, il souriait. Il expliquait qu'il avait compris les raisons de son erreur. Il améliorerait le mélange la prochaine fois. Je l'écoutais à peine. Le regarder, c'était comme de regarder un morceau d'enfance perdu. Un retour en arrière. Je lui ai dit, je m'en souviens, d'arrêter ses conneries. Je ne comprenais pas pourquoi je changeais et pas lui. Je crois bien que ses parents l'ont flanqué à la porte un jour. Je n'ai pas cherché à voir
de ses nouvelles, j'étais amoureux, j'avais ma vie. Bien des années plus tard, je me suis déjà souvenu de lui, j'ai entré son nom sur un moteur de recherche, mais il avait un nom tellement courant, tellement banal, que j'ai renoncé. Je regarde son air buté, sa dureté obstinée. Je ne sais pas quelle trace la vie a laissée depuis sur son visage. C'était mon meilleur ami. Le texte dont je vais lire un extrait s'appelle « Marseille Festin » et le principe du texte, c'est qu'il a été écrit en résidence par donc Delphine, ici présente, à Marseille. Delphine s'installait chez des gens, les uns après les autres, plusieurs semaines consécutives, et elle écrivait ce qui se passait autour d'elle. Toute la semaine, des phrases apparaîtront. Issus des affiches, des cartes postales, des éditions, des titres, des tranches des livres rangés dans la bibliothèque, des titres des couvertures des livres présentés sur la bibliothèque. Les œuvres de Fabien Hiver. Ne pas être chez, être dans. Je suis stressé. Je lance une lessive, je mets une machine en route, je lance une machine, j'écoute la machine, le son rassurant, assise dans la cuisine, quand la vue immense dans le salon m'attend. Qu'est-ce que je vais faire à manger ? J'ai pris n'importe quoi, de la tisane bonheur, de la poudre Happy Bouddha, marquée avec des ingrédients crus, un mélange de graines marqué spécial étudiant, des œufs, du fromage râpé, des nouilles, je n'avais pas de sac. Un sac, s'il vous plaît, c'est 3 euros, pas de sac. J'ai fourré les œufs dans mon sac à main, la poudre de trucs crus aussi. T'as plein de balades à faire, c'est magnifique, tu prends le bus puis la navette. Je prends la route à pied en sens inverse, la rue commerçante. Une salle de gym. 7 jours sur 7, de 6h à 21h. J'entre, je réserve un abdo fessier cuisse pour le lendemain, 9h30. Vous avez une clé de casier ? Non, je vous en prête une. C'est la première fois que vous venez ? Oui, je suis juste là une semaine, j'ai failli ajouter. Artiste diplômé national supérieur d'expression plastique, lauréate de la commande publique de sonification du tramway du Mans. Je me suis abstenu. Je me change, j'enlève mes baskets, je suis en chaussettes, je ferme le casier, je cadenasse la porte. Je n'ai pas de poche. Je donne la clé à l'accueil. Je suis la seule en chaussettes. Alors, tout le monde est là ? Ah oui, il vous faut des baskets. Clé à l'accueil, redécadenasser, se rechausser, recadenasser, clé à l'accueil. S'il vous plaît les filles, on prend les élastiques. Je crois qu'il s'agit d'une corde à sauter élastique. Je me dis, pas très pratique cette corde à sauter élastique avec les poignets. En fait, on coince l'élastique sous les pieds, on tire sur les poignets ou on ligote les cuisses. On glisse les poignets l'une dans l'autre, un nouveau monde s'ouvre à moi. On écarte les cuisses, ne pas prendre la poignée qui se détache dans la figure. Allez, je vous ai préparé une pure playlist disco, ça va vous rappeler votre jeunesse. Moyenne d'âge, 70 ans. Je suis la seule à grimacer, à m'arrêter, à souffler, quand les mamies, la jambe bien haute, pour mettre à fête. Et petit pont, petit pont, petit pont, petit pont, petit pont. Fiers les filles, fiers. Ça veut dire ouvrir les épaules. Fin du cours. Accueil, clé, bestiaire, cadenas, accueil. Muguette me dit, je m'appelle Muguette. Alors, ça vous a plu ? Il est bien, non ? Il remplace Eddie. Vous n'êtes pas d'ici, vous ? Moi, je suis originaire d'ici, de ce quartier, mais j'ai vécu à Paris avec mon mari. Et puis, après, ma fille, son mari, se fait muter. On voulait aller au bagne. Elle m'a dit, pourquoi tu viens pas à Marseille ? Je regrette pas. Ah bon, vous logez chez des gens ? C'est bien, ça. Et vous êtes payé pour ça ? Et ça leur apporte quoi, à eux ? Vous revenez demain ? Tout le monde se dit « à demain ». Je rentre, je me douche, je me warme, je fais le lit, je n'ai pas faim. Que j'avais proposé à Eric. Et comme tu le dis, c'est vrai que moi j'ai l'habitude de les lire, donc c'est intéressant d'avoir une autre proposition. Et la voix grave d'Eric apporte quelque chose de plus grave, voilà, dans ce qui s'y passe, dans ce qui s'y déroule. Donc c'est intéressant d'avoir aussi le décalage. Est-ce que la texture de la voix aussi va pouvoir... j'allais presque dire charrier avec elle aussi par rapport à un texte, de la même façon que